Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je reviens en plus gros plan pour vous présenter la palette Vis 3. Donc vous l'avez vu beaucoup sur d'autres chaînes, mais bon, étant donné que j'ai eu la possibilité de l'avoir le jour de sa sortie, et que le jour de sa sortie sur le site Sephora.fr, donc moi je l'ai commandé à minuit. Enfin, dès qu'il y a eu minuit affiché sur l'horloge, étant donné qu'avant c'était que les cartes gold qui pouvaient l'acheter en pré-vente. Du coup, à minuit, le site en fait est programmé pour débloquer tous les blocages qu'il pourrait y avoir pour les autres utilisateurs. Donc du coup, je me suis pris la Vis 3. Et le jour de sa sortie, en fait, au grand public, pas en pré-vente, il y avait toujours les moins 25% qui couraient sur ma carte. Donc moi je suis pas gold hein, mais je suis black quand même, et voilà. Donc j'ai eu les moins 25%, ce qui me revenait en fait à 36€ au lieu de, je crois qu'elle était à 49. Donc voilà, le packaging se présente comme ceci. On a les couleurs comme d'habitude derrière, et j'avoue que j'ai été très agréablement surprise en fait des couleurs, parce que autant j'avais trouvé que le vert comme ça un peu jaune fluo cacadois c'était pas top, mais franchement j'adore la petite pochette dans laquelle vient la palette, et j'adore aussi la couleur du packaging qui est somme toute très salissant, parce qu'effectivement dès qu'il y a une trace de doigt vous la verrez. Mais bon, je la trouve super jolie. Et je pense que toutes les filles qui l'ont acheté ont trouvé le packaging hyper sympa. Voilà. Donc à l'intérieur, elle se présente comme les anciennes palettes. Hein. On ne les citera pas. Et donc voici les couleurs que cela donne. Donc voilà, les noms sont à l'envers. Mais je pense que je vais vous faire un swatch tout de suite, parce que honnêtement en parler pour rien dire ce serait pas très agréable pour vous, et je vais vous faire un swatch par ligne, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, ne bougez pas, parce qu'à la fin je vous ferai une petite annonce et je pense que celle-ci va vous plaire. Donc ne bougez surtout pas, restez bien à la fin, ou alors passez directement à la fin, quoi, en gros. A tout de suite, bisous. Donc nous revoilà pour les swatchs de la Vis. Effectivement, les swatchs, aujourd'hui, j'ai décidé de les faire, donc, en vidéo et pas en photo. Je pense que je vous mettrai quand même les photos après, enfin j'en sais rien. Parce que franchement, je trouvais que c'était plus sympa de les faire en vidéo. Donc là, on a le Truth. Donc, comme d'hab, hein, un peu poudreux, mais super sympa. Voilà, ils sont hyper pigmentés par contre, hein, franchement. Donc, petite lingette désinfectante, hein, ne pas oublier. Hein, comme vous me connaissez maintenant, vous savez que moi, j'aime bien désinfecter. Donc, je vous rappelle le Truth. Ensuite, nous avons le Dragon. Il est magnifique, j'adore celui-ci. Franchement, un vert superbe. Ah ouais, sympa, sympa. Ouais, j'aime bien. Hein. Et vous, vous en pensez quoi? N'hésitez pas avec les commentaires. Hein. Là, on a le Vanity. Donc c'est un violet super pigmenté, non franchement super pigmenté, j'adore. Avec des reflets, pff, une tuerie. Voilà, c'est joli comme tout. Voilà. Ensuite ici nous avons le Alien. Un rose clair. Alors ça j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un fard que j'adorais. Je sais pas, c'était une marque américaine aussi que j'avais trouvé quand j'ai vécu à Miami, et que j'arrive pas à remettre la main dessus en France en fait, et étant donné que le packaging en fait il s'est
effacé. J'ai plus les moyens de trouver parce qu'il y a des petits reflets dorés à l'intérieur. Il était magnifique, j'adorais ce truc. Ensuite, nous passons au phare Last Seen. Donc là, c'est un beige un peu, je sais pas si vous verrez bien. Parce que j'ai l'éclairage de dingue là. Wow, il est magnifique, les reflets de fou. Oh ouais, c'est trop beau. Donc je nettoie mes panouilles. Je nettoie ma main. Qu'on avait dit ligne par ligne, hein, il me semble. Bon, je recule un peu la lumière là, parce que ça vous aveugle plutôt qu'autre chose. Mais vous voyez pas grand chose. Voilà, voilà. J'espère que ça ira mieux. Donc ensuite, on a le phare Undone. C'est un beige. Mais ils sont poudreux. Hein. C'est la seule chose que je pourrais faire remarquer de négatif. Mais ah ouais, c'est un nude. C'est un beige nude, en fait. Ils sont hyper pigmentés, par contre. Alors ça, il en faut pas beaucoup pour... Il en faut pas... Regardez ce que j'avais sur ma main, quand même. Sur mon doigt. Il est hyper pigmenté, c'est un truc de fou. Ensuite, nous avons le bleu Freeze. Oh, il est magnifique. Ah, oh, c'est un superbe bleu. Regardez voir. C'est pas une tuerie quand même. Ah oh, ouais, il y a des reflets, c'est magnifique. Ensuite, nous avons le Lucky. C'est un beau doré, orangé doré. Cuivré même, je dirais. Ouais, orangé cuivré. Ah ouais, c'est Urban Decay, I love you. This is the Alchemy. Alchemy. Normalement, c'est Alchemy in English. Donc, c'est un beau violet. C'est même pas un violet, c'est un prune. Il est joli, 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 joli. Et ensuite, nous avons Angel. Un petit marron. Satiné, magnifique. Regardez voir. Waouh, c'est beau. Je ne regrette pas mon investissement pour 36€ parce que j'avais mes 25%. Alléluia. Parce que franchement, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais je suis trop contente d'avoir eu cette palette pour ce prix-là quand même. Quand je vois sur eBay maintenant, il y a des gens, ils l'ont acheté en VIP et puis ils sont vraiment pas mouchés sur le prix qu'ils l'ont revendu. Bah, je vous jure que moi, je me suis dit, pourtant je suis une dingue. Hein. J'aurais pu l'acheter sur eBay trop trop cher. Mais franchement, je me suis dit, mais laisse tomber, comment ils se graissent le dos. Je me suis dit, bon, j'attends. Et j'ai pas, franchement, j'ai pas regretté parce que. Donc nous passons à Downfall. Ça, Downfall, c'est un petit peu un marron. Oh là là, la pigmentation de malade. Oh là 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 là. Et ça glisse tout seul. Vraiment, ça glisse tout seul. C'est un beau marron. Ensuite, nous avons Earring. Un beau bleu ciel. Un beau bleu nuit, pardon. Avec un peu des reflets, je dirais, un peu... Je sais pas, c'est un. Moi, si c'est des micro-paillettes bleues. Mais c'est magnifique. J'adore trop. Ensuite, nous avons le phare prénommé Rain. Le règne. Donc, un marron foncé. Je dirais marron foncé. Il n'y a pas trop de sous-ton, mais. Il est marron foncé. Marron chocolat. Et il est super joli. Ah ouais, ouais, il est beau. Ensuite, nous avons le Bandage. Bandage. C'est un prune. Avec des micro-paillettes violettes. Oh là 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 là, les reflets qu'il a, mais maté. Regardez voir ça. C'est superbe. Oh, je ne regrette pas du tout. Ensuite, à la fin de la ligne, nous avons le Daffy. Et ça, c'est définitivement pour faire le coin externe. Donc, c'est un peu un taupe foncé. Un taupe foncé. J'adore.
je ne regrette pas du tout. Donc j'en profite pour vous rappeler, comme vous pouvez le voir juste ici, qu'ensuite je fais une vidéo sur la palette en édition limitée que j'ai dénichée sur internet. Donc ne bougez pas et suivez. Il n'y a pas de problème, ce sera en la deuxième partie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et comme d'hab, vous avez pu remarquer que je suis tout aussi fradingue que d'habitude. Donc là, nous avons le fard DFT. Non, je dis n'importe quoi. C'est DTF. DTF. Dans ta face. Non, je rigole. Donc ça, c'est un peu un... J'ai pas de mots. C'est un marron, mais avec des micro-paillettes un peu multicolores. C'est tout simplement formidable. J'adore. C'est vraiment trop beau. Ensuite, nous avons le Breakdown. C'est un doré marron, cuivré. Je sais même pas comment expliquer. Il est vraiment joli, joli. Ensuite, nous avons le Bobby Dazzle. Bobby Dazzle. Un blanc. Blanc. Ouais. Ah si, il y a plus de reflets en fait. C'est un blanc mais avec des reflets. Il va pas être hyper couvrant. Mais regardez, je sais pas si vous verrez bien les reflets qu'il a. Je trouve ça joli. Ensuite, nous avons le Sonic. Alors ça, c'est un rouge cuivré. Il est super joli, regardez de près. Regardez de près, magnifique. Mais ensuite, je vais prendre le pouce, hein. C'est le revolver. I love the revolver. Oui, il y avait une chanson avec revolver. Voilà. C'est un noir bleuté, parce qu'il faut pas croire que c'est un noir tout court, parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des micro... Je sais pas si vous verrez, mais des micro-paillettes bleues. Vraiment magnifiques. Donc voilà, bah écoutez, voici, voilà, hein, c'était la vis 3. Et puis, ben, suivez-moi pour la vis limited. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que les sweats vous auront plu. Donc je vous rappelle le packaging de la vis 3. Par contre, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une édition limitée de Grande-Bretagne qui a été lancée en même temps que la vis 3 en France, mais qui est vraiment limitée pour les cartes gold en France, en Grande-Bretagne, pardon, et que vous ne trouverez jamais en France. Donc je vous donnerai les informations, je ne sais pas s'il y en a encore sur ce site-là. Donc je vous fais en gros le déballage, voilà, j'ai le carton, je vous fais le déballage en direct, parce que j'ai réussi à attendre jusque-là pour vous l'ouvrir et pour voir avec vous, pour que vous voyez un petit peu ma réaction sur le produit. Donc voilà, bah écoutez, restez avec moi et à tout de suite pour la prochaine vidéo de cette palette totalement inédite. Je vous embrasse, la vie est belle en rose et à tout de suite. Bisous, ciao !